sports. It's in the game. Bonjour à tous, nouvel épisode dans FIFA 22. On commence tout de suite avec le duel, comme c'est appelé dans le jeu, le PSG. L'équipe reçoit son adversaire Nice dans ce qui peut être la finale de ce championnat. Tout le monde attend ce choc avec impatience et la plupart des spécialistes s'accordent à dire que le vainqueur, si vainqueur il y a, aura pris une énorme option sur le titre. Le dauphin sait qu'il peut tout relancer en s'imposant alors que le leader a conscience de pouvoir frapper un grand coup en empochant 3 points. Effectivement, c'est le premier qui affronte le deuxième au championnat. Chose également intéressante, comme chaque mois, élection du meilleur joueur du mois. Alors comme d'habitude, on fait partie des joueurs nominés, mais malheureusement on n'a jamais décroché le titre. On peut quand même voir qu'il y a 3 joueurs de notre équipe qui sont nominés, Mbappé, Neymar et Messi. Alors tiens, celui qui a remporté à chaque fois le titre, le joueur de Monaco, n'est pas nominé, hein. C'est pas Kambou de l'Open Olympique Lyonnais. Donc on a 3 chances sur 4 que ce soit quand même quelqu'un de notre équipe qui décroche l'intervalle. Rendez-vous d'ici quelques matchs pour voir qui va être élu. Allez, c'est parti, on se lance. Et voici sans aucun doute l'affiche de ce début de saison, puisque la rencontre que nous allons suivre oppose tout simplement le premier au deuxième du championnat. On se retrouve tout de suite pour le coup d'envoi en direct du Parc des Princes. Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver en direct du Parc des Princes. Et c'est bien moi, Rematou, qui sera à vos côtés pour vous commenter ce match, que j'espère aussi enlever que d'habitude. On va s'intéresser à la Ligue 1 Uber Eats avec cette rencontre. Le Paris Saint-Germain face à l'OGC Nice. Allez, ça va être sympa ce match, j'en suis sûr. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain. Pour garder le but, Keylor Navas. Raphaël Varane en défense avec Marquinhos. Wijnaldum sera avec Marco Verratti au milieu de terrain. Et devant, on va retrouver Kylian Mbappé qui sera en charge d'animer l'attaque. La composition de l'OGC Nice. Regardez-là. 4-4-2 classique aujourd'hui. Une défense à 4. Un double pivot au milieu de terrain. C'est le GC Nice qui donne le coup d'envoi de cette rencontre. Justin Kluivert. Un redoublement de passe, bien joué. En prise. Keylor Navas, tranquille. Bon arrêt. Attendez, on va faire une pause pour aller voir Lens. Lens qui joue en ce moment et je crois qu'un but a été marqué. Oui, Hervé, c'est le premier but pour Lens. Un but à zéro, donc, après 4 petites minutes de jeu. Merci pour ces précieuses informations. Voilà, c'est chaud avec Messi. Le gardien qui repousse. La bonne frappe, elle était cadrée à mon avis, mais
La tentative a été déviée. Fallait le tenter, hein. Le Messi qui frappe ce corner, bien parti. Un corner qui ne donnera rien. Wijnaldum. Après cette petite phase de possession, corner. Ils perdent finalement le ballon. Et corner pour les Parisiens. Ça va, ça allait être tendu. Et le ballon parti très loin, c'est dégagé. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Allez, prend sa chance. Dommage. Dommage, dommage. Justin Kluivert. Il est bien placé, il peut centrer. Ouais, il a dribblé. Une belle série de passes là. On est en phase de préparation avant de piquer. Ouais, oh, belle, hein. Magnifique la parade. Superbe plongeon. C'était loin d'être évident. Oh, elle était belle. Hein. Ah, non. Sur le poteau. Comment c'est bien, mais un petit peu trop brossé. Ah, il est bien parti ce corner. La défense qui a pris le dessus sur ce corner. On va faire un crochet par le match de l'OM parce que je crois qu'on vient d'assister à un but. C'est bien ça? Oui, 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 il s'agit du premier but en faveur de l'OM. Un but à zéro, donc. C'est un match qui a commencé il y a 18 minutes. Faute. Merci, c'était complet. Il y a faute, ils l'ont fait précis. Tomber. Enfin, t'as qu'attention. Allez, il continue. Ouais. Bah non, bonne interposition. Ah là là, c'est pas le relancer. Je déteste ça. Il intercepte. Allez, l'occasion peut-être de donner. Oh là là. À chaque le fois qu'il relance, il merde. Une chance sur deux pour que ça fasse but. Terrible. Au début, je l'ai cru au-dessus. On va voir ce but. D'abord, la passe en profondeur hein, qui a mis la défense aux abois. Le buteur qui va au bout de son action malgré un bon retour de la défense. C'est donc l'ouverture du score 1-0. Alors que si j'ai bien compris, il y a eu un but du côté du FC Nantes. On va aller voir ce qui se passe. Oui, oui, Hervé, c'est le premier but pour Nantes. Ça fait donc un but partout. Alors que l'horloge indique qu'on joue ici depuis 23 minutes. Merci à vous. La passe est coupée et bien défendue. Ah, il a vu qu'il y avait quelque chose à faire dans cet espace. Hors-jeu. Sur cette action qui aura vraiment pu être dangereuse, c'est vraiment dommage hein, parce que ça s'est joué un chouïa. L'appel a été déclenché un tout petit peu trop tôt et ça n'a pas échappé à l'assistant. Oh, il peut centrer. Il faut trouver l'ouverture. Justin Kluivert. Tout seul, il est tout seul. Tire. Non, bien évidemment. On a vu que le ballon avait été touché par le défenseur avant de sortir. C'est donc un corner. On a bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. Ah non, la tête était bien exécutée, mais ce n'était pas cadré. Paredes. Luke Shaw. Marco Verratti. Wijnaldum. Oh là là. C'est un ballon perdu bêtement, ça. Dommage. Personne dans le couloir pour gêner cette action. Cramé, putain, ils sont nombreux. Il est concentré. C'est un petit peu brouillon en défense. Hein. Il est mal dégagé ce ballon. Piqué pour l'instant. Justin Kluivert. Oh là là, c'était la même. Hein. Oh, quel arrêt, un plongeon exceptionnel.
d'ailleurs. Pour l'instant, la pression, elle est. Le corner, un ballon qui arrive au point de pénalty. La défense qui a pris le dessus sur ce corner. Ah là. Dommage. Ah non, le ballon est perdu. Le ballon circule très bien. Ouais, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Dolberg. Cherche une solution là. Ouais, c'est pour le gardien. Neymar. Contre-attaque peut-être. Ouais, bonne séquence là. Bonne séquence. Ils y croient, l'égalisation. Verratti. L'arbitre a décompté une minute de temps additionnel seulement. Justin Kluivert. Et voilà, déjà 45 minutes de jouer dans ce match. Un petit but simplement, 1-0. On n'a pas eu beaucoup d'occasions. C'est le GC Nice qui donne le coup d'envoi de cette rencontre. La bonne frappe, elle était cadrée à mon avis, mais la tentative a été déviée. Oh, magnifique la parade! Superbe plongeon! C'était loin d'être évident. Un ballon perdu d'un côté, récupéré de l'autre. Allez, l'occasion peut-être de mener. Et le but, le premier but du match, le voici. Le tir. On a vu que le ballon avait été touché par le défenseur avant de sortir. C'est donc un corner. Ah, bien frappé ce corner au niveau du point. Et non, la tête était... bien exécuté, mais ce n'était pas cadré. Il frappe. Oh, quel arrêt! Oh, quel arrêt! Un plongeon exceptionnel! Dans les autres matchs, Nantes-OM 1-1. Excellent. Je crois que Lens est dans le haut du classement. C'est intéressant de suivre ce qu'ils font. Est-ce qu'on peut avoir les statistiques du match? Et clairement, ils dominent. Il n'y a pas photo. Le remplaçant qui se prépare à entrer, mais à la place de qui? De changement. C'est reparti dans ce match avec un PSG qui n'a pas montré son meilleur visage en première période. Alors ça joue également en ce moment à Lyon. Il semblerait qu'il y ait un but marqué du côté de l'OL Stadium. Oui, oui, Hervé, c'est le premier but en faveur de Reims. Ça fait donc un but partout, alors que 47 minutes se sont écoulées depuis le coup d'envoi. Merci, c'était complet, c'était précis. Ils prennent leur temps, ils posent le jeu. Allez, peut-être un bon ballon dans la surface. C'est dévié, mais... Oula, attention. Oh, quelle énorme occasion! Quelle énorme occasion de marquer, et surtout, quelle énorme occasion de mettre l'équipe à l'abri. Toujours un seul but d'avance. T'étais un peu gêné par le défenseur. Marco Verratti.
je noterai le rendez-vous de tout à l'heure. Vous serez nombreux certainement à le suivre. Évidemment, je vous conseille fortement d'être présent pour ce rendez-vous, notre compagnie. Et une balle d'égalisation. Wow. À la complicité de c'est le deuxième but qu'il met, lui. Il fait du bien, ce but. On voit cette série de passes à l'origine de l'action. Ballon qui passe au premier poteau. Et le gardien qui est trop statique sur sa ligne, qui ne peut pas intervenir. Puissant est sous la barre. Il va y avoir un remplacement. 109 a fait du bien. Un but partout, les deux équipes dos à dos. Justin Kluivert. Ouais, bon tacle, mais personne pour reprendre ce ballon. Tapi. Draxler. Quoi ? Oh, pas évident ce hors-jeu, ça doit se jouer à pas grand-chose. Il l'a poussé. Il l'a poussé pour qu'il soit hors-jeu. Un changement d'homme qui se prépare et qui va être effectué. On va faire une petite pause pour aller voir ce qui se passe avec Monaco. Le score vient d'évoluer, hein, c'est ça? Oui, deuxième but à l'instant en faveur de Monaco. Lolo. Donc deux buts à rien pour l'instant. Après 62 minutes de jeu, Hervé. Ok, c'est bien noté. Merci beaucoup. Il fallait le récupérer, hein, ce ballon. Ok, oui. Une petite promo là sur le match de tout à l'heure. On attend tous avec beaucoup d'impatience. Belle opposition en perspective qui devrait nous valoir un bon match. Une belle série de passes là de la part du Paris Saint-Germain. Ah, le drapeau s'est levé, mais ça doit être vraiment limite. Un nouveau joueur qui va faire son entrée sur la pelouse. Mario Lemina, Justin Kluivert, il a un petit peu d'espace, il peut centrer, il y a peut-être moyen de placer un contre, attention, oui, il y avait un espace, il l'a vu, Kylian Mbappé, oh, le numéro qu'il nous fait, oh, joli. Et ça va être dangereux, oh qu'il est bien placé, oh qu'il est bien placé ce ballon. Et le gardien qui n'a rien pu faire revient de loin. On voit sur ces images la passe en profondeur, hein, tout par-delà. Ah oui, il manquait un joueur hein, sur la droite. En conclusion, dans le face-à-face, la frappe puissante pour conclure. But d'avance donc, le score est de 2 buts à 1. Belle remontée. Peut-être une bonne opportunité, attention. Oui, il y a des options dans la surface. Olé. Une tête qui n'inquiète pas trop le gardien. Possession du ballon qui n'est pas en faveur de l'équipe locale, hein, vous le voyez. La statistique ne raconte qu'une partie de l'histoire. Cette équipe mène au score. Elle va peut-être gérer son avance maintenant. Il y a un but dans le match que disputent les Girondins de Bordeaux en ce moment. On va aller voir ce qui se passe. Et oui, c'est le troisième but en faveur des Girondins de Bordeaux. Ce qui porte maintenant le score à 3 buts à 1. Et on joue ici depuis 77 minutes. Merci, c'était complet, c'était précis. Allez, il va pouvoir jouer avec ses coéquipiers.
Oh là là. Plus personne n'y croyait, mais il marque. Alors j'ai essayé de me mettre devant, je sais pas si on le verra sur le ralenti, mais j'ai l'impression qu'il y a un de mes joueurs qui m'a bloqué. Bon, c'est pas pour ça que je l'aurais arrêté, hein, mais j'aurais peut-être été un peu très plus importante hein, cette égalisation. L'équipe n'a jamais lâché. Là voilà, ah, ils ont donc récompensé. Par contre, je pensais vraiment pas qu'à cette distance. Avec une autre caméra. Voilà. J'étais un peu loin. Frappé, ben putain, 2-2. Bon. Combien de temps il reste ? Et voilà, les deux équipes qui se retrouvent encore au coude à coude. Le stade qui est très chaud. Tout le monde a compris que le prochain but serait certainement celui de la victoire. 7 minutes, hein. Il reste 7 minutes dans le temps réglementaire. Allez. Attention, j'aime pas ça. Oh que j'aime pas ça. Oh là là. Ils attaquent, une belle occasion de mettre la main sur le match. Oh putain. Ah oh, penalty. Penalty et sifflé. Et le joueur qui a tout de suite compris son erreur. Oh là là. À ce moment du match, c'est grave. Je tacle rarement. La faute, bien sûr. De toute façon, il y avait un jaune. On revoit le joueur se jeter sur ce ballon. Et la faute, bien sûr. Oh non, à côté. À côté. Un pénalty qui n'est pas cadré. Ah, quel malheur. Oh là là. La fatigue, hein. Je pensais que c'était le 3-2, là. Bon, finalement, j'ai bien fait hein, de faire ce tacle. Ça de Ramos. Oh, j'aime pas ce ballon. Si on peut appuyer. Avec Navas. Sergio Ramos, le quatrième arbitre qui donne 3 minutes de temps additionnel. Alors, s'ils veulent la victoire, il va falloir s'appliquer sur cette attaque. Non, l'action n'ira pas plus loin. Il y a hors-jeu. La dernière minute avant le temps additionnel. Le coup de sifflet final avec ce match nul donc du Paris Saint-Germain. Assez surprenant, mais l'adversaire n'a rien lâché. C'est un nul qui reste une déception. Hein. L'équipe espérait mieux. Un match au sommet qui a été aussi disputé qu'on pouvait le penser. Hein. On a bien failli perdre hein, quand même à la fin. Là. Ouh là 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 là. Magnifique la parade, superbe plongeon, c'était loin d'être évident. Ballon perdu d'un côté, récupéré de l'autre. Allez, l'occasion peut-être de mener. Et le but, le premier but du match, le voici. Frappe. Oh quel arrêt. Oh quel arrêt, un plongeon exceptionnel. Une balle d'égalisation. Oh la complicité de la barre et le but. Kylian Mbappé. Oh, le numéro qu'il nous fait, et ça va être dangereux. Oh, qu'il est bien placé. Oh, qu'il est bien placé, ce ballon. Et le gardien qui n'a rien pu... Allez, il va pouvoir jouer avec ses coéquipiers. Oh, le but. Plus personne n'y croyait, mais il marque.
Oh non, à côté. Un pénalty qui n'est pas cadré. Ah, quel mal. Festival d'occasion gâché. En raison d'un manque d'efficacité dans la finition, le match Nice-PSG s'est terminé sur un score de parité. Goury a eu la plus belle occasion du match, mais il a manqué de lucidité dans une rencontre frustrante pour les supporters de Nice. Ah, il y a une blessure. Côté lyonnais. Qui sera élu joueur de l'année? Ah ouais, c'est... toute ligue confondue, alors on peut voir quand même qu'on est on est nominé. Alors c'est un peu bizarre parce qu'on a été au niveau de la Ligue 1 française jamais le joueur du mois, mais par contre on peut être le joueur de l'année. On verra bien. Alors c'est assez énorme, hein. Le match précédent on a affronté le deuxième, Lens s'est passé devant, c'est le nouveau deuxième et c'est lui qu'on affronte. Alors c'est assez sympa, on va avoir une petite vidéo. L'équipe reçoit son adversaire dans ce qui est peut-être la finale du championnat. On a le droit au même blabla parce que c'est normal, le jeu détecte la même situation que le match précédent. C'est assez rigolo. Ah tiens, ça c'est sympa. Messi élu joueur du mois, grâce à ses performances exceptionnelles, est élu le joueur du mois de novembre. Ah, ça fait plaisir quand même, hein. On a lutté pour avoir ce titre. Joueur à l'extérieur. La tension est à son comble, alors que se rapproche le coup d'envoi de ce match très attendu. A tout de suite pour voir le Racing Club de Lens qui affrontera le Paris Saint-Germain. Salut à tous, vous le voyez, la première information de la soirée, c'est qu'on va jouer sous la pluie aujourd'hui. Commentaire, c'est moi, Hervé Matou, que vous allez retrouver. Ah oui, c'est pas très surprenant. On va suivre aujourd'hui un match de Liga Uber Eats, Racing Club de Lens, contre le Paris Saint-Germain. Match s'annonce passionnant. Allez, on va se régaler, j'en suis certain. Voici la composition du Racing Club de Lens. La formation retenue est un 5-3-2. On va essayer de maîtriser le ballon au milieu. Ça va jouer sur les comptes. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain. Dans les buts, Gianluigi Donnarumma. Raphaël Varane en défense avec Marquinhos. Marco Verratti sera associé à Wijnaldum au milieu de terrain. Et devant, on va retrouver Kylian Mbappé qui sera en charge d'animer l'attaque. Il
Ce sont les joueurs du Paris Saint-Germain qui engagent. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Papi. Oh oui, très bon geste défensif. Il fallait le faire, il y avait danger. Ah, dommage. La passe de Verratti qui est interceptée. Ah là là, mauvais ça, mauvais. On gâche une occasion et en plus on va prendre mal. C'est qu'en plus tous les adversaires vont jouer sur les... Vinicius. Non, non, ça n'ira pas plus loin. Bonne intervention. Kylian Mbappé, oui, bien joué en profondeur. Occasion de prendre l'avantage. Ouais, joli. L'ouverture du score, l'ouverture du score. Alors qu'on sortait à peine du round d'observation. Il s'est un peu cramé, Messi, là, pour... pour arriver seul face voilà, au gardien. La contre-attaque qui a amené ce but. Et ensuite, il décide de conclure en force son face-à-face. C'était le bon choix. Contre sur contre. Bien. On monte bien ce match. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Fortes. Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. Sûrement essayer de chercher quelqu'un. Oh là, ça bouge. La magnifique reprise, magnifique reprise de volée qui méritait mieux mais qui passe à côté. Ouais, il va pas nous montrer ce qui s'est passé avant. C'était dehors. Verratti. Ouais, Messi, ça c'est bien joué. Ouais, s'il trouve son partenaire, c'est bien joué. Et ah là là, qui écarte le danger. C'est pas fait avoir cette fois-ci. Hein. Que ça s'anime un peu dans les tribunes, ils y croient encore. Ils se disent peut-être qu'ils ont échappé au pire. Et ils voient un signe d'espoir. Oh, il a du soutien, ça peut être dangereux. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? C'était complètement raté. C'est une sortie de but à suivre. Marco Verratti. Wijnaldum. Oh putain. Mbappé. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon offert. Sur les lieux, en main, ça se déploie. Et Lensois à l'attaque. Bonne phase de construction. En espérant faire mal derrière et essayer d'égaliser. Vinicius. Oh là là. Oh putain. Le but, l'égalisation. Tout est relancé. J'avais commencé à faire sortir le gardien. Je pensais qu'il allait la tirer dès qu'il allait la récupérer. Et non, il a calmé le jeu. Et il l'a passé à gauche. Très bien joué. Il est bien placé. Il a mérite d'être là au bon moment. La passe, c'est sur les mondes. Celle-là, j'ai pas compris pourquoi il a pas tiré là. La réponse. Il aurait forcément dû faire une frappe différente pour que ça passe, mais il restait un petit peu seul face au goal sur la gauche. Allez, tout est à refaire, un but partout. Le numéro 10, Idrissa Gueye. Neymar. Wijnaldum. Ah,
un joli petit numéro de Tiki Taka. Il s'agaye. Il y a du monde. Ah là là, mais il part de trop loin. Mbappé, rendu il aurait pas dû la faire tant au centre, il aurait fallu la faire plus à droite. Allez, il continue. Est-ce qu'il va centrer ? Krzyżowiak. Attention là, il me fait peur. Oh, le bon ballon. Grégor Krzyżowiak. Non, oh là, ça ne passe pas. Joli. C'est joli. Ouais, ça peut bien partir en contre, attention. Kylian Mbappé. Ah, non, 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 oh. Il va un peu s'élever. Ça va être un enjeu. Je pense de pas grand chose. Hein. Il va être sur la même ligne. Ah non. Ouais. Okay. Je n'ai rien dit. Vinicius. Attention, attention. Bien fait le 1-2. Du renfort. Ouais, la frappe. Oh là là. Allez, le but. Le Racing Club de Lens qui marque. Ce magnifique enchaînement et une touche de balle, ça allait très vite. Alors oui, ça va très vite. Hein. Poteau, et le gardien qui est trop statique sur sa ligne, qui ne peut pas intervenir. Dur, dur, dur. Un petit but d'avance donc, le score est de 2 buts à 1. Neymar. Mbappé. Profite de Doom. On va récupérer un film Krzyżowiak. Allez, attention à l'éventuelle contre-attaque. Putain, j'aurais dû l'attaquer, celle-là. Il passe devant. Oh là là, ce sauvetage. Le quatrième arbitre lève son panneau. Une minute de temps additionnel seulement. Voilà, léger avantage, mais avantage quand même à la pause, avec ce score de 2 buts à 1 à la mi-temps. En train de revivre le même match. Ce sont les joueurs du Paris Saint-Germain qui engagent. L'occasion de prendre l'avantage. L'ouverture du score, l'ouverture du score. Alors qu'on sortait à peine du round d'observation. On a sûrement essayé de chercher quelqu'un dans l'axe. Vinicius, oh, la magnifique reprise de volée qui méritait mieux. Vinicius, et le but, l'égalisation, tout est relancé. Vinicius, on a bien fait le 1-2. Ouais, la frappe. Allez, le but ! Le Racing Club de Lens qui marque ! La vache, il n'y a pas eu tant de tirs que ça, hein, au final. Hein. L'entraîneur qui cherche, avec ce changement tactique, à revenir dans cette partie. Les Lensois qui sont revenus des vestiaires avec un avantage au score, à eux de le confirmer maintenant dans la seconde période. Krzyżowiak, Jonathan Grady. Krzyżowiak. Le défenseur qui s'est fait passer sur cette action. J'ai poussé pour le gardien. Mauvais dégagement, mal fait. Il s'est dégagé du point.
Pompé. Léo Messi, balle au pied. Off. Finalement, ça ne donnera rien. Un petit rappel sur ce qui nous attend, hein, ce match à ne pas manquer tout à l'heure. Oh, le but. Oh là 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 là. Allez, le but. Le Racing Club de Lens qui marque. La situation de passe, hein, après j'ai fait sortir. On traite un qui amène ce but. On peut le gardien se faire prendre le premier plutôt comme ça. C'est rageant. Il veut absolument voir son équipe égaliser. Alors il fait ce qu'il faut pour. Et avec ce nouveau but, ça nous fait donc 3-1 maintenant. Le numéro 3, Raphaël Varane. À sa place, le numéro 24, Kylian Mbappé. Neymar. Cana maintenant. Danilo Pereira. Achraf Hakimi. On voit bien qu'il ne se précipite pas sur le but adverse. Mais j'ai pas de solution, j'ai 5 joueurs autour de moi. Il n'y a pas un mec qui bouge, le seul qui bouge c'est Messi. Il confirme la mainmise sur le ballon. Et si la victoire se profile pour cette équipe, c'est parce qu'elle a trouvé la solution pour déstabiliser la défense adverse. Elle fait plus que la déstabiliser. Et ça fait but. Oh non, mais j'ai pas compris quand. Ah, il nous fait une Mbappé en plus. J'ai pas compris, le gardien il fait 2m50. Alors, comment il s'est fait avec le centre, hein, à l'origine et la bonne impulsion pour propulser ce ballon. Oh là là, bah il lève pas les mains. Oh la putain. On voit ce but sous un autre angle. On a l'impression qu'il a réagi comme s'il n'y avait pas le joueur. Il était surpris que le ballon il. L'entraîneur qui choisit de faire un changement. Ouais. Tout le monde sort, allez, putain. Oh, les statistiques sont honteuses, hein. On ne s'est pas créé une occasion et eux, ils ont quasiment. Et la marque qui est maintenant de 4 buts à 1. Première fois, hein, que ça nous fait ça, là. Marquinhos. Sort du terrain. Idriss Agueil. Kylian Mbappé. Mauro Icardi. Messi sur le côté avec personne devant pour l'arrêter. Ouais, et puis personne devant pour centre, quoi, il y a personne pour l'aider. Un petit peu piégé, hein, sous pression là. Encore ce qu'ils veulent, hein. Oh putain, passe-lui devant, mon dieu. Il peut le mettre. Wow. Le gardien qui ne peut que repousser, c'est pas terminé. Oui, le centre, peut-être. Peut-être commence à fatiguer en face. Une tête qui n'inquiète pas trop le gardien. Oh là là. L'ouverture. Le plongeon. Faut que le match s'arrête. Pour écarter le danger. Quelle parade. Faut que le match s'arrête. Du mouvement au bord de la touche. Pas une bonne chose, hein, qu'il fasse rentrer de la fraîcheur là. Et le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty. C'est dommage, c'est pas bien joué. Oh, ça peut faire but. Oh putain. Attention au poteau. C'est pas fini. Voilà, c'était très chaud là, le ballon qui a touché le cadre et finalement il est capté. Plus de peur que de mal. Ils nous mettent la pression. Bernat. Neymar. Allez. Carly. Et le couloir est désert, le PSG va pouvoir en profiter. Le centre d'Icardi, ça peut être dangereux, attention. Un tir complètement raté.
Non, on verra pas le ralenti, c'était 3 cages à côté. Ah oui, faites-le sortir lui, hein. Je sais plus combien il m'a mis. Fait mal, hein. On en est à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Wijnaldum, Neymar. Ouais, le bon ballon là pour le Paris. Ah, joli. Et le but anecdotique. Il y aura au moins un petit truc positif à retenir pour eux. On voit ce magnifique enchaînement et une touche de balle. C'est allé très vite. Et la frappe magnifique à la fin, puissante. Ouais, c'est puissante. Hein. Plus puissante que placée, ça suffit. Même time reste, là, je crois qu'il y a 8 minutes. Et on peut à la rigueur aller en remettre un avec de la chatte, mais deux, non, ça sera compliqué. Hein. Encore 7 minutes à jouer. Le score qui est maintenant de 4 à 2. Ouais, et puis bon, on a deux aujourd'hui. C'est une sorte de passe à 10 en ce moment. Putain, mais défenseur qui se positionne. Il faut qu'il centre maintenant. Ouais. Ouais, bonne sortie, ballon bien capté. Il y a beaucoup de présence physique dans la surface. Idriss Agueil. Et tout seul. Alors, Icardi. On jouera 2 minutes de temps additionnel. Achraf Hakimi. Un duel gagné. Il prend le ballon. Ouais, joli. Ah ouais, non. Faute. Faute. Ils ont fait tomber Messi. Ah là fin là. De la rencontre ici à l'instant même. Et le Paris Saint-Germain qui s'incline. Quel combat. C'est clair qu'il y avait moyen de faire mieux aujourd'hui. Et que cette défaite a suscité beaucoup de frustration. Ah, on a eu deux matchs compliqués à coup sur coup. Vinicius. On a bien fait le 1-2. Donc, clairement, ils ont dominé en attaque. Ouais, la frappe. Allez, le but. Le Racing Club de Lens qui marque. Ils sont créés des très belles occasions. Oh, le but peut-être. Allez, le but. Le Racing Club de Lens qui marque. Il va pouvoir centrer. Je crois que c'est le pire celui-là. Ah merde. Le ballon il se tue. Et ça fait but. Wijnaldum. Neymar. Ouais, le bon ballon là pour le Paris Saint-Germain. Et le but anecdotique, il y aura au moins un petit truc positif à retenir pour eux. Déception hein, dans les vestiaires. Les mines sont dépitées. Meilleur buteur.
Toujours Messi, 14 buts en 17 matchs. Ah, qu'on l'oublie, mais plutôt une bonne régularité. Messi est élu joueur du mois grâce à ses performances exceptionnelles. Messi, ouais, c'est, non, c'est le rappel. Alors, petite vue sur le championnat avant de terminer avec la Champions League. Voyons voir un petit peu le résultat. Bah, ils sont traduits un écart qui s'est resserré entre le premier et le deuxième. Alors bien sûr, Nice va en profiter, même s'il reste loin. Mais là, on avait une confortable avance. Et bien, on n'a plus que 3 petits points. Forcément, on n'a pas mis de points et Lens en a pris 3. Donc tout de suite, ça pèse lourd dans la balance et ça relance complètement le championnat. Donc, comme annoncé, Champions League. On continue les matchs retour. Cette fois-ci, on va être à la maison. Léo Messi, la grosse attraction de ce match. Rappelons qu'il est le meilleur buteur actuel de cette UEFA Champions League. Par contre, on a pu voir que ça jauge de. Bonsoir tout le monde. Vous avez rendez-vous avec le Parc des Princes ce soir. Là, je peux vous dire qu'il y a du monde hein, dans les tribunes. En commentaire, Hervé Matou, je suis prêt dans ma cabine, j'ai mes petites filles, j'ai ma petite boisson, mon petit coussin, tout va bien. C'est une rencontre de l'UEFA Champions League que nous allons suivre ensemble, un match de groupe. Le Paris Saint-Germain face à Başakşehir. Quand on veut aller loin dans une compétition, il faut être régulier dès les matchs de groupe. C'est là que les favoris en magazine de la confiance se mettent à l'abri très vite si possible. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain. Pour garder le but, Keylor Navas. Sergio Ramos sera là en défense, aux côtés d'Abdou Diallo. Marco Verratti sera associé à Wijnaldum au milieu de terrain. Et devant, on va retrouver Kylian Mbappé qui sera en charge d'animer l'attaque. Je vous laisse découvrir la composition de l'équipe visiteuse. L'équipe qui va évoluer aujourd'hui en 4-5-1, une seule pointe. Voilà le premier ballon de cette rencontre de groupe de la Champions League. Il résiste, bonne protection de balle. Allez, après tout, pourquoi pas. Mauvaise relance. Luke Shaw. Du Ramos. Wijnaldum.
Wijnaldum. Marco Verratti. Ah, le danger certainement avec Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Oh là. Ah, il a mis de l'intensité dans son geste défensif et ça lui a permis de récupérer le ballon. Attaque. C'est rapide. Ah, la bonne lecture là pour intercepter ce ballon. Belle passe. Kylian Mbappé. Oh, frappe. Oh, ça passe pas loin du tout. Mais c'était bien aimé, ça. J'ai beaucoup aimé. Ça n'est fallu pas grand chose. Hein. Première alerte. Daniel Alexic. Junior Caseira. Bien récupéré. Un petit peu pressé sur ce ballon. Ah là là, il a bougé à la Red Bull Arena de Leipzig, c'est bien ça? Oui, oui, Hervé, c'est le premier but pour Manchester United. Un but marqué par Bruno Fernandes suite à un ballon dévié. Un but à zéro donc, alors que nous jouons depuis 17 minutes. Merci, et merci pour l'info. Marco Verratti. Papi. Ils attendent une ouverture dans la défense. Ah là là. Ils ont les pieds partout. Le ballon. Oui, il a des bonnes possibilités là en attaque. Ouais, j'ai pas trop envie qu'il tente sa chance, ouais. Oh là là. La déviation. Tranquille. La déviation qui est cadrée, hein. Diallo. Wijnaldum. Paredes. PSG qui perd ce ballon. Ça m'agace. Allez, peut-être une bonne occasion. Qu'est-ce qu'il va faire? Attention, si ça rentre! Ouais, c'est contré par Sergio Ramos. Compliqué hein, cette première mi-temps là. Pour l'instant on tient mais. Ah, il est bien parti ce corner. Et cette tête qui ne donnera rien. Bien gêné par le travail défensif. Sergio Ramos. Marco Verratti. Mbappé, Paredes, le bon ballon en profondeur. Putain, elle a fait gâcher. Il a trois poumons. Il est le premier sur cette passe. Prise de balle gâchée par des passes de merde. Attention, joli. Ouais, un bon ballon d'attaque. Ouais, joli, bien repris. Match extrêmement équilibré. On l'a couché au position sol, c'est bon, équilibré, ça. Score équilibré, deux équipes qui se neutralisent pour l'instant. Ouais. Attaque les propres, mais ballon toujours en jeu. Au moment où on va plus se neutraliser. Daniel Alexic. Attention. Oh là, heureusement qu'il était là. Oui. Marco Verratti. Oh, ça s'est donné Mbappé, comme ouais, il faut. Oh, super barré. On l'a voyait tout au fond. La frappe était magnifique. Mais le gardien était là. Ouais, c'est un corner. Et écoutez les supporters. Ils ont compris que ça pouvait être important pour prendre l'avantage. Je pense bien cadré. Ah, quoi, vu sous cet angle, on a l'impression qu'il n'y avait pas de côté. Mais c'est peut-être l'angle de la caméra. Là. Il faut c'est le résultat. Le Messi qui frappe ce corner, bien parti. Oh là là. Ouais, le ballon a été bien maîtrisé par le gardien. Attention à la relance. Ils ont du temps à pouvoir les marquer. Il s'infiltre, attention. Accélération. Allez, il faudrait qu'il centre très vite. Un redoublement de passe.
Ah, putain d'arbitre. C'est la mi-temps, 45 minutes dans ce match, toujours pas de but, 0-0. Ouais. Elle l'a dit tout à l'heure, Matou. Hein. Deux équipes se neutralisent, c'est complètement, complètement le cas. Et voilà, le premier ballon de cette rencontre de groupe de la Champions League. On frappe. Oh, ça passe pas loin du tout, mais c'était pas cadré. Ah, il est bien parti ce corner. Et cette tête qui ne donnera rien, bien gênée par le travail défensif. Oh, super barré! On la voyait tous au fond, non, mais le gardien était sorti là. Ouais, c'est un corner. Et écoutez les supporters, ils ont. Alors les autres résultats, Dortmund 1-1. Stade Rennais, hein, ouais, il y a beaucoup d'égalités. Non, pas les seuls, visiblement. Alors qu'on va procéder à un changement. Le numéro 2, Achraf Hakimi, se remplaçant le numéro 5, Marquinhos. Voilà, à l'instant même, donc le second acte de ce match de groupe de Ligue des Champions qui vient d'être donné. Pignage-Doum. Léo Messi. Allez, faut centrer vite. On perd le ballon. Allez, peut-être l'occasion de placer une contre-attaque. La passe est interceptée. Bonne un petit rappel. Mais je suis sûr que vous ne l'avez pas oublié. Ce rendez-vous très important. Si vous le regardez, vous aimez le foot. Il n'y a pas pu je suis faire sûr que vous ne manquerez pas ça. Edin Vidka. Je crois que le score a bougé à la Red Bull Arena de Leipzig, c'est bien ça? Oui, oui, Hervé, c'est le premier but pour Leipzig. Un but signé. Lionel Messi, il ne s'est pas laissé surprendre sur ce coup. Belle opposition du gardien. Et l'entraîneur peut trop faire donc un remplacement. En fait, il y a les deux premiers matchs là. Le gardien s'est interposé avec brio. Le corner de Léo Messi, bien frappé. Dégagé par la défense. Attention, ça peut devenir intéressant. Attention, je ne vais pas faire sortir le gardien. Voilà. Je le voyais pas. Hop, hop, hop. L'ouverture du score dans ce match. 1-0. On voit cette excellente inspiration. Ce centre rentré. Toute la défense prise à revers. Sous la pression. Occasion, oui. Il arrive à conclure. Brillante. Allez, l'entraîneur qui va faire entrer un joueur frais. On va essayer d'égaliser. Il reste encore du temps. C'est donc l'ouverture du score. 1-0. Alors qu'on arrive aux deux tiers de cette rencontre, plus qu'une demi-heure à jouer. Draxler, ballon perdu par les Parisiens. Signé.
Messi. Évidemment, parce qu'il y a du défenseur. Léo Messi. Draxler. Voilà, ça revient vers Messi. Ah, là, là, là. Oh là là, c'était juste et dangereux. Kylian Mbappé. Oh, dévié, je crois. Magnifique arrêt, quelle présence! Ah, bah là, but. Il sauve son équipe. Quelle occasion! Écoutez les supporters hein, qui aimeraient que leur équipe égalise sur ce corner. Oh, il la dévie, mais alors au dernier moment. Je veux pas que je marque. Il veut pas que je marque. Un joueur frais qui fait son entrée sur la pelouse. La mission, elle est simple, hein, aider à ses partenaires à tenir le résultat. Léo Messi qui frappe. Oh quel arrêt! Oh quel arrêt! Un plongeon exceptionnel! Bon, il y avait du joueur hein, en face. Hein. Personne ne la touche, mais le gardien est là. Ah, il est bien tiré le corner là. Oh! La claquette du gardien qui dévie ce ballon! Très belle tête. Ouais, encore une fois, le gardien. De toute façon, on l'a vu hein, dans les matchs précédents. Si Lia ne veut pas. Il ne veut pas qu'on marque, on ne marquera jamais. Là, il est en mode Warrior, j'arrête tout. Spider-Man. Des nouvelles de Leipzig, rapidement. Un but inscrit à l'instant à la Red Bull Arena, semble-t-il. Oui, Hervé, avec le deuxième but pour Leipzig. Gâché. Un but inscrit par Gareth Bale, suite à ce qu'il faut bien appeler une erreur défensive. On en est donc à 2-1. Et on joue ici depuis exactement 70 minutes, Hervé. Merci, c'était complet, c'était précis. Allez, le danger, certainement, avec Kylian Mbappé. Messi qui prend sa chance. La parade du gardien qui repousse le ballon en jeu. La défense qui parvient finalement à s'en sortir. La pression. Messi. Oh, c'est le but. Oh, la caméra pas suivi. Égalisation oh, la caméra pas suivi. Égalisation pour le Paris Saint-Germain. Heureusement qu'il est là. Hein. On voit ce ballon qui vient se loger sous la barre. Impossible à arrêter. Hein. C'était extrêmement précis. Pêche. Il a même pas tendu les bras, il s'est laissé. Joli. Et voilà donc ça, à égalité un peu partout. Ça un peu le match. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. Oh le contact. C'est dévié, ça sera une touche. Les gars, c'est pas du football américain. Hein. Marco Verratti. Insigné. Kylian Mbappé. Oh, quelle détente! Oh, il est allé la ça chercher très loin, Mbappé, celle-là! Là, pour aller taper ce ballon. Il cherche le point de pénalty. Oh, intervention décisive dans les buts. Edouard. Intervention qui vient certainement éviter la défaite. En plus, pour l'instant, ils attaquent plus. C'est vraiment. On a bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. Un corner qui ne donnera rien. L'arbitre qui signale un hors-jeu qui arrête le jeu. Tolga Djirdji, Chadli. Krimeli. Daniel Alexic. Ils attaquent, une belle occasion de mettre la main sur le match. Ballon pour Chadli. Ouais, il y a des options dans la surface. Pas assez précise cette passe, dommage pour eux. Luke Shaw avec Verratti, Marquinhos,
Ah, dommage. Il y avait Mbappé tout seul au point de son équipe pour faire pencher la balance. Il y a pas mal de monde pour le presser. C'est dévié, ce sera une touche. Oh, il peut centrer. Un corner. Voilà, un petit but sur ce corner et ce serait la victoire quasi assurée. Oh là là, oh là, c'est excellent. Nagui Tri. Sublime. Il y aura 4 minutes de temps additionnel au minimum, bien sûr. À chercher. Pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon. Si, bon Dieu, l'arbitre. Il n'y a pas grand monde là pour revenir défendre. Ouais. Ça a été touché hein, par le défenseur avant de sortir. Ce sera donc un corner. Tout le monde est en train de plier. Tout le monde en prendra un. Le corner qui est joué en deux temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Marco Verratti qui intercepte cette passe. Et voilà la fin du match, sifflé à l'instant même. Nouveau match compliqué. Hein. Cadré 5, je crois que j'avais un objectif à 5 tirs cadrés. Bon, de toute façon, après, c'est 8, 5 ou 9 de notes de match, je les ai pas. J'ai quand même mis un but. Super barré! On la voyait tous au fond, mais le gardien était là! Ouais, c'est un corner. Et écoutez les supporters, ils ont coupé. Lionel Messi. Il ne s'est pas laissé surprendre sur ce coup. Le centre en retrait. Et le but, l'ouverture du score dans ce match. 1-0. Kylian Mbappé. Oh, magnifique arrêt. Magnifique arrêt. Quelle présence dans les buts. Oh là là, du bout du Quelle banc. Occasion. Léo Messi qui frappe. Oh, quel arrêt. Oh, quel arrêt. Un plongeon exceptionnel. Il est bien tiré le corner là. La claquette du gardien qui dévie ce ballon. Allez, on va repartir sur un corner. On regardera la note du gardien. Qui a sorti un grand match. Hein. La défense qui parvient finalement à s'en sortir. Messi. Et c'est le but. L'égalisation. Il a tendu les bras, mais. Égalisation pour le Paris Saint-Germain. Du joueur. J'ai cru qu'on n'y arriverait jamais. Hein. Kylian Mbappé. Oh, quelle détente! Oh, il est allé la chercher très loin, celle-là. Il cherche le point de pénalty. Et l'intervention décisive dans les buts. À bout portant. Intervention qui vient certainement. Là, le jeu est en PLS. Replay sur le public. Là, partout. Alors, les notes. Ouais, le gardien, ils lui ont mis 10. Même s'il a pris un but, il a quand même sorti un très, très grand match. On va voir tous les arrêts, toutes les petites mains vertes. Il a fait le job, hein.
Les autres matchs, eh ben, pas mal d'égalité. Pas mal d'égalité. Alors, la fois prochaine, on continuera. Et ben, alors, après avoir affronté deux fois le deuxième, qui sont respectivement deuxième et troisième maintenant, on va affronter le quatrième avec l'AS Monaco. Ah, alors, qui est le joueur de l'année? Ce n'est pas moi. Lewandowski avec le Bayern de Munich. Convaincant, Messi n'a pas pu éviter le nul. C'est pas nous qui avons le ballon d'or, mince. On va également, avant de se quitter, regarder un petit peu la Champions League. Bon, normalement, ça devrait pas avoir beaucoup évolué, mais l'écart s'est peut-être rétréci, voilà. On est premier avec 13 points, Leipzig est deuxième avec 9. Donc bon, on a plus d'une victoire d'avance. Alors par contre, c'est la sixième journée, donc tout le monde a dû s'affronter déjà deux fois. Donc ça ne changera pas. Petit tour sur les autres clubs. Dortmund remonte. C'est vraiment, ça monte, ça descend hein, chez eux. Le reste, ça bouge pas trop. L'OM est deuxième. Le Real écrasant. Ben voilà, suite au prochain épisode.